affection généralisée dans tout ce qui se passe, que ce soit angine, amygdale, etc. Genre un truc très, très global. Et aujourd'hui, bah, là, ça y est, ça va vraiment mieux. Donc, il y avait probablement un lien avec ça. Oui, bah oui, du coup, t'as dû avoir. Oui, bon, après, tu vas me dire si c'était général, du coup, ça non plus, ça te dit pas. Bah, c'est un peu ça. Où mais... Général, mais un peu précis quand même, parce que c'est vrai que angine et amygdale, c'est pas non plus. Du plus commun, tu vois, mais bon, mais ça y est, donc là maintenant c'est bon, ça va mieux, mais c'est vrai que c'était très très impactant, parce que, bah forcément, tu sais, c'est genre, j'avais aucun autre symptôme à part le fait que j'avais une douleur de chien au niveau des amygdales, quoi, donc... Ouais. Donc, ouais, puis bon, même au niveau stream, ça, je pense que ça devait aussi t'impacter. Ouais. Ouais, ouais. Des douleurs quand tu streamais, donc... Ouais, c'est ça, exactement. Ça devait pas être top non plus. Mais là, ça y est, c'est bon, ça fait du bien. Puis je suis content, au moins j'ai tout fait pour me mettre le plus en forme possible pour cette dernière semaine de training Zlan et compagnie. Et c'est le cas, donc c'est très cool. Zlan, c'est la semaine prochaine ? C'est exactement le week-end prochain, ouais, tout à fait. Ok, ok. C'est vrai que je suis pas trop, mais... Oui, bon, t'inquiète, okay, mec. Okay. Coucou Delta! J'ai vu qu'il était là, il se terrait dans mon bras. Ah, bonjour! Je suis arrivé un tout petit peu tard parce que j'étais en train de faire une course sur Assetto Corsa et ça finit il y a 5 minutes. T'inquiète, y'a pas de problème. T'as gagné? Non, j'ai fait 10ème, j'ai fait quelques erreurs, mais je débute donc. Bon. Tranquille. Oh putain, on voit rien dans le tunnel. Ok, la map est exceptionnelle. Vraiment, la map. J'ai même pas regardé les trailers. Je vous jure, je trouve la map exceptionnelle. J'ai regardé les trailers, mais il y a longtemps. Alors, genre... elle est très belle, ça c'est vrai. Il y a les. Bon, bah, voyager en Italie, hein. Ah ouais, non, mais là vraiment, ouais. Je sais pas. Et ouais, même. Il y a le Colisée. Ouais, au même endroit, hein. La base. Éviter peut-être les clichés de, des pays. Ouais, Tour de Pise et Colisée au même endroit, effectivement. Oh, moi je pense qu'on est en Espagne, hein. Mais du coup, les gars, ça va être une course de pneus cette histoire-là, hein. Non ? Faut aller où ? Faut aller mal de drift, ouais. Au bordel. Faut aller où ? Non, c'est bon, j'ai trouvé. On va où dans le tunnel là? Ah, mais on sait pas. En haut, en fait, en haut. Tu vas au fond. Au fond et à gauche, ouais. Ouais. Parce qu'en fait, le. Ah, c'est les pits! Direct à gauche, c'est les pits. Ah, ok, je vais rentrer dans. Ah, bah, les pits, c'est un full 180, hein. C'est une épingle. Hein. Ah bon? C'est une épingle de cheveux, les pits, hein. Faites gaffe, hein. Ok. Ah, ouais, c'est bon à savoir. Oula, je me suis envolé dans les armes. monsieur. Il y a un saut là. Il y a un peu un jump, mais j'aime bien, ça fait un peu rallye, tu sais. faut que je me mette une touche de bind. Oh mais frérot, on ne voit rien dans le tunnel des pits, on ne voit rien, genre c'est... Oh putain, ça... Ok, c'est un drift un peu serré autour de la tour de Pise ici. Ouais, faut pas aller trop loin. Hein. Pour faire le... 3x8, 2x7, faut vraiment pas souvent drift, quoi. Parce que là, il m'a dit ça en mode, si tu pites au tour 14, dans la grande majorité de mes tours, je suis en écho, et je suis au tour 11 avec 35% de pneus, je peux pas y aller. Et j'ai l'impression... En fait, la map, par contre, tu peux... Quand tu commences à l'attaquer, tu peux gagner beaucoup, beaucoup de temps, tu vois. Ouais. J'ai vraiment du mal à la prendre, donc je pense que je vais juste rouler safe et faire 3x8, 2x7, mais... Quel serait l'autre strat plus aggro? C'est 2x7 et 4x6. Je crois que moi je vais rouler et attendre de voir ce qu'ils font devant. Ouais, petite indication pour le chat, les pneus à 0% c'est comme si ta voiture était dead. Donc du coup tu es out of the game. Instant. Pas de discussion. Bon, j'ai moins de vitesse que ce qu'on devrait avoir, mais c'est pas grave. J'ai raclé un mur.
J'ai pris l'arbre sur le Colisée. Ah putain. C'est trop dur d'assurer des belles qualifs. Trop dur. Une 16.7. Ça t'amène à quoi? Combien d'états là? Bon, pour l'instant je suis 22ème, donc c'est un peu la merde. Ah, y'a une, dommage. Il reste encore des gens à finir, mais... Ah bah j'aurais pas dit non à un autre tour. Ah ouais, pareil. Ah, dommage. Plus dur que la saison précédente. Et ça commence direct. À vous. Direct, ça commence. Allez, du coup, on va falloir drift. Passer le passage full speed, ouais, va falloir drift. Je pensais pas qu'on allait commencer ici, du coup. J'ai vraiment l'impression de drift beaucoup, hein. Moi aussi, je te rassure. Moi aussi. J'essaye de cancel drift le plus fast et tout, mais quand même, hein. Bon, là, je vais faire PB, mais... Ouais, je suis pas loin. Là, j'ai un très bon tour. Une 12.6, ouais, c'est pas mal. Clairement que c'est pas mal. Voyageur à out? Give up? Quoi? What? Bah il a... Il a peut-être pris... Moi j'ai vu que sur l'intérieur des virages, il y avait des petits bouts. Et que si tu le prenais, tu t'envolais, hein. Ouais, il a dû prendre un vieux turtle à un endroit... Oh là là, ça fait mal, hein. Oh, faites gaffe à pas trop au grid, les extérieurs, les inter, des barrières et tout, parce qu'on sait jamais qu'ils aient mis de l'anti-wallit au mauvais endroit. Et... Bah c'est surtout les panneaux qui dépassent. Ouais, par exemple. Qui s'est peut-être pris, ouais. Ou... Non mais par contre, de ce que j'ai peut-être vu tout à l'heure... full speed, hein, aussi. Non mais vous voyez le banking à droite du start, gros virage à droite, un peu banking. Ouais. Eh ben, à l'intérieur du droit de la fin du banking, en gros, avant la chicane droite-gauche, t'as un bout qui ressort et si tu le tapes, tu t'envoles. Hein. Ah, oui, donc... Okay. Faut faire attention à ça. Putain, je fais n'importe quoi. Ah, ça va faire très mal pour le classement pour Voyageur. Ah bah là, c'est mort pour gagner cette saison, là, c'est impossible. Fini, hein.
Ouais, okay. Ah oui, c'est un fucking bout de caillou. Alors moi, je suis très externe à cet endroit, donc je m'en fous, mais il y a un bout de caillou qui traverse la route. Après, normalement, la line est plus externe que ça, non? Moi, perso, je suis inter. Ouais, ça va partir sur une strat 7 tours, moi. Je me vois pas faire 8 tours, là. Je suis à 53% de pneus, là. Je suis à 47%, là. Ouais, j'écho un peu plus, pour ça que je suis derrière, mais... Par contre, je release toujours le Colisée, hein, pour vraiment être safe sur la speed, parce que j'ai vraiment l'impression d'être trop large après au niveau des maisons. Hein. Mm. Beaucoup trop de speed sur le reste de la carte. Il n'y a pas de mal. Hein. Vraiment. Est-ce que j'ai assez même pour faire cette tour là? Je suis en train de me poser la question. 30% de pneus pour faire encore deux tours? Ah ouais, c'est chaud quand même. Ça va être chaud là. Hein. Ouais, sinon on fait 6 maintenant et 7 plus tard en économisant un peu plus. Yep, je pense que je vais faire. On a dit 2 ou 1 fois 7? 2. 2 fois 7. Je vais voir combien je consomme là de pneus sur un tour comme ça là. Comme ça, ça peut me dire si je peux refaire un tour derrière. Ouais, moi je vais aller jusqu'à 7. Je suis à 20% de pneus là. Je vais tenter le 7 tours aussi. Tu peux aller jusqu'à 7 hein, en soi. Ouais, ouais. Aux îles pit à 6. Je vais être très court au niveau des pits. C'est pas très grave. Le tout c'est que tu les amènes. Hein. Je suis à 18%. J'ai jamais roulé à 18% de pneus sur la TMFL là. Ouais, t'as jamais poussé autant? Ah, j'ai jamais poussé autant. Fais gaffe, ça tourne pas trop. C'est vrai que Delta, c'est un peu notre expert en pneus cramés. Mmh. Moi, je suis expert pour me planter avec des pneus un peu cramés, ouais. Surtout. C'est plus ça qu'il faut dire. Moins cool. Mais plus réel. Je sais que là, je vais gagner du temps sur des gens qui ont pas l'habitude avec les pneus usés chers. Les pits, faut pas les louper non plus. Non. Allez, go. Ah, ces pits, ils sont quand même originaux, hein. Allez. Et je mets 90. On peut l'accélérer dans la grosse montée des pits, hein, d'ailleurs. J'ai l'impression. J'ai l'impression aussi, ouais. Pas, j'ai un peu. J'ai un peu safe. Je mets au-dessus de 90 perso. Ouais, je vais mettre 97. Hop là. Allez, let's go.
Allez, go go. Je suis trop content de mon premier relais là, vraiment. Ouais, là on est bien parti, j'ai l'impression. Hein. J'ai décidé de pas drift le premier ternocolisé. Ça marque ou pas? Hmm. Est-ce que ça marche? Release exter. Enfin, tu parles de la tour de piste, je pense. La tour de piste, exact. Pardon. Quand on sort des pits, c'est vrai que c'était la tour de piste et pas le colisée. Oui, j'avais compris. Et Bozy qui fait que son meilleur tour maintenant à 1.11.8, donc ils ont fait mieux. Il a fait une 11.7 en qualif, je crois. Ouais, 11.7. Il est vers la fin de son relais, du coup, parce qu'il a plutôt 6. Donc, oui. Il est dans la deuxième moitié du relais déjà. Ouais, tout à fait. Je suis que de PB, mais genre de 50 millième. Ouais, c'est ça reste PB. Ça me fait trop rire. What? Je me suis tapé un truc là à l'inter. Bah c'est... C'est le rocher que vous parliez, non? Bah je pense à l'inter du gros droit à la fin du banking. Ouais. Et tu as tapé ça? Ouais, j'ai tapé ça, mais j'ai genre comme si c'était un clip, tu sais. Putain, t'as eu de la chance. Faut pas être trop inter du coup. Ouais, non, non. C'est qui dit Ringo, c'est ça qui t'en fait t'envoler. Okay. Moi je pense que Voyager est dead là-dessus, mais... Mais je peux me tromper. C'est mal mappé. Noob mapper. Kimi là. Il a fait de penser à retraite, hein, Kimi. Hein.
OOF. Ouf. En plus, ça, bon, bah, ce week-end, en plus, on loupe pas de GP de F1. C'est ça. C'est le week-end, bon, le week-end prochain, on va pas le louper non plus. Il sera, je sais pas, 7 ou 8 heures du mat. Donc, 7 heures du matin, ouais. Ah, bon, je vais me lever. Hein. Oui, moi aussi, probablement, mais. Ah, là, moi, je. Les méfaits de le faire rater, quoi. Je me lève pour le GP. Hein. Je sais pas encore. Soit je vais me lever, soit je vais le regarder en rediff à genre 10 heures. Après, ouais, il y a ça aussi. J'ai beaucoup plus cramé mes pneus là. Pareil, je sens que j'ai peut-être un peu trop. C'est le dernier relais le plus difficile, donc faut qu'on tienne bien, après ça va aller beaucoup mieux. Ouais. Après on fera que 6 tours. Faut qu'on soit solide là, il faut moins drift certains trucs. Plus forcer le cancel drift, release. C'est pas grave en vrai. Hein. Il y a 38 tours, la map est très challengeante, donc et on est archi bien. Donc let's go. Yep, go. Ouais, je release beaucoup là, moi, j'avoue, avant le Colisée. Moi, je fais, ouais, je safe le Colisée, hein, je le risque pas. J'ai envie de faire très attention aux arbres qui sont à terre, parce que ça pardonnera pas. Là, j'ai trouvé l'arbre de repère, moi, pour vraiment celui qui peut me... Celui que je peux taper, quoi. C'est le troisième arbre, je crois, que tu peux taper. Oui, c'est le pire. C'est le plus blind. Ouais. Donc, je compte dans ma tête à chaque fois que je passe les arbres. Je compte 1, 2, 3. Et du coup, moi, je sais c'est lequel. Comme ça, je peux vraiment le raser. Et je sais que je taperai pas d'arbre derrière. N'hésite pas à le raser, je t'en supplie. C'est vrai qu'on pourrait le couper aussi, ouais. Ouais, c'est... Sortez les tronçonneuses. Allez, dernier tour, là. Allez. Ouais. C'est bien, là, le dernier tour qu'on a fait, il est bien. Pour une fois, on fait une course un peu ensemble, en vrai, Wingo, là. Ouais, c'est vraiment cool. Pour ça, on va pouvoir un peu se... On va pouvoir un peu se booster l'un l'autre, là. Prends la spi, mec. Ouais. DRS. Donc là j'ai 20% de pneus. Wingo et Jeff. Alors moi le problème c'est que j'ai déjà 40 secondes de retard sur la tête de ma course. Moi je sais pas, je vais regarder pendant les pits. N'hésite pas à plus drift hein, Warl. Bah là j'ai pas trop de riche, j'ai 7% de pneus là avant les pits. Enfin, pas encore sur les pits, mais. J'ai quand même le double. Je vais te cacher que j'ai pas trop de riche là quand même encore. J'ai quand même le double sur toi là. Ah, c'est bon là. J'arrive au pit avec 5% de pneus quoi. J'ai crash dans les pits. Ah. Oh non. Genre crash sale. Genre grave. Ah, tu t'es pris un des plots blancs qui full stop là. C'est ça. Je l'ai fait en warm-up ça. Bien dans l'angle, puis j'ai reculé, puis réaccéléré, j'étais encore dedans. J'ai quand même néo exprès et c'est pas passé. C'est drôle. Bon allez, si c'est ma seule erreur, ça va. Et j'ai un peu le seum. Là j'ai perdu, je pense, 4 secondes là-dessus. On va attendre Warl tranquille. Là, j'ai mis 99 de d'essence pour ma part. Hein. J'ai mis limite. Hein. Oh, ouais, j'ai touché la ligne droite. Un 6 tours. Bah, j'ai ralenti pour toi, Wingo. Ouais, là maintenant, ça y est, il faut qu'on soit fast. Hein. Ouais. Là on fait une stratégie aggro et je vois qu'il y a beaucoup de gens qui font une stratégie plutôt safe avec 8 tours du coup.
Donc nous, moi le premier me met 34 secondes. Ouais, 33. Hein. On est even. En termes de... Mm. Est-ce qu'il fait la même strat que vous ou pas? Non, du coup. C'est-à-dire qu'il s'est pas arrêté du coup. Je drift trop tôt sur le tour de piste, moi. J'allais drifter l'interne de tour de piste, moi. Un inter-poteau, un inter-tour. C'est un grand poteau au final. Hein. Oui, en soi, ouais. Oh là là, je suis large. Une 11.7, tout pile pour Ozine. Qui fait le WR du coup, hein. Bien sûr. Parce que du coup, c'était une 11.757. Ouais. En temps en quali. Donc ici, on arrive au 20e tour de souvenir. On a fait 14, donc... Bon, on a 20, 26, 32 pour vous. Tu fais la même strat, Pinata? Non, fais 8 et... 8 fois 3 et 7 fois 3. Ok. Quitte à être lent, autant faire un arrêt de moins. Ouais, oui, ouais, c'est, enfin, oui, c'est vrai que. que je me dis. Oui, logiquement, ouais, je pense que ça. Ouais, je suis pas très rapide, du coup, je safe et. Du coup, tu uses pas trop tes pneus, ouais. Ouais, c'est ça. On fait un peu plus d'essence que de pneus. Par contre, faut que j'arrête de raser les murs, moi. Ça va devenir inadmissible alors. Ah, j'avoue que j'ai fait une dingue moi au niveau du Colisée. Ah. En termes de rasage d'arbres, on était pas mal. Comme dit le commentateur, il a frôlé la correctionnelle. C'est ça qu'on dit là. Là, ça marche. Hein. Ah, dommage, c'était un bon temps. Ah. T'as touché? Non, j'ai tout... Ah, quoique j'ai perdu point. Mais j'ai perdu beaucoup de temps sur l'épingle, la grosse épingle, là, du coup. Mm. On va voir si ça peut être quand même PB, mais... Ah, c'est PB, une 12.5. Oh, c'est pas très rapide, mais bon. Je m'en satisfais. Et bah, très bonne map, hein, vraiment. Franchement, très bon fini. Mmh.
Et je peux faire un PB de fou là. À gogo. Yes, une 12.2. Nice. La réopit ce tour, du coup. Merci mec. J'étais pas dedans là. Je suis en train de voir. Ouais, 20. Merci. Si je commençais à sentir que ma voiture était lourde, je me suis dit ah, faut peut-être qu'on s'arrête. Et oui, c'est le cas, ça commence. Ouais, hésite vraiment pas. Dès que tu vois ce bout d'info, autant le dire. Elle a juste beaucoup plus mes pneus qu'à les 7 tours. Et là, je suis content du coup. Pareil. Si je faisais ça sur les 7 tours, ça allait vraiment me. Déjà qu'il te restait 7%. Bah là, il me reste 19% alors que d'habitude, je suis à plus de 30 quoi. Donc pour te dire. Donc je suis content que. Allez. Ok, là on peut partir à partir de 85 je pense. Ok. Allez, let's go mec. Le premier virage de la tour de Pise est très bizarre. Quand on sort des pits, hein. Quand même, il est particulier à prendre. Oui, moi, à chaque fois, je suis trop large d'ailleurs. Sur ce turn. Si on n'a plus l'habitude, je pense, d'avoir des pneus frais, peut-être. Il y a aussi ça. Ouais, on n'arrive pas à la même vitesse du tout. Puis on a pas le même angle, enfin, c'est pas facile. Par contre, j'ai pas regardé niveau essence. Là, faudra que le chat intervienne. Je crois qu'on peut remettre à peu près 75. Oh. Ouais, c'est ce que j'aurais tendance à dire aussi. On perd pas tant que ça en sortie de pit, du coup. Non. Comparé à des maps où on perdait des fois parce que c'était en ligne droite, et là vu qu'il y a tout de suite un turn, on perd une seconde, voire même moins d'une seconde là. Moi là je suis à moins d'une seconde de au niveau du tour. Donc le pit peut être long, mais on perd pas peut-être forcément. Ouais, mais trop de temps. Tour après on s'en fout, c'est le tour d'avant où je perds beaucoup de temps. Oui, mais je comprends ce que World ouais, veut mais dire. Tu fais un accumul. Si tu veux faire un PB, oui. Donc c'est pour ça. Faut accumuler aussi la perte de temps que t'as sur le tour de relance. Ouais, ça. Donc tu peux perdre avec peut-être tous les plus, zigzags, tu plus avant et moins après. Ouf, là c'est gros temps là. Une 11.4 par Ozil. Je pense avec des pneus neufs là aussi. Il a enculé la map là par contre. Ah là ça commence à faire un gros. Très temps. Très grave. Hein. Déjà même moi là je vais refaire point 4 et je suis content tu vois. J'ai une 11.6 en potential. La même. Ah bah. J'ai la même potentiel. MDR j'ai 13.9. Ah toi aussi t'as la même plus d'état, nice. Vraiment il s'en fout pas grand chose hein. Combien du coup plus d'état sur ta course? 12ème actuellement. Oh c'est plutôt bien. Ouais. Après, je t'ai dit décalé du coup par rapport enfin décalé. La moitié qui fait la même que vous et l'autre moitié qui fait la même que moi quoi. Ok. Bah, c'est vrai que nous on est encore pas trop sûr de notre place avec Lungo parce que là on est typiquement 19ème mais.
Ils allaient remonter sur ceux qui font les relais plus longs, forcément. Ouais, du coup, ouais, c'est ça. À 87% on me dit au niveau des qu'il faut mettre au niveau des de l'essence. 87 pour 6 tours. 87 ouais. Ça me paraît beaucoup. Parce que là moi j'ai mis 85 en mode j'aurais ça de trop. Ouais, j'avoue 85 que, pour moi t'auras 10 de trop là. Bah tu verras Wingo, je pense que tu vas pit, il te restera genre 15 et du coup tu mets 75 et t'es fine tu vois. Yeah. Comme ça que je vois, mais... Après, c'est peut-être aussi... On fait peut-être pas les mêmes, je pense, release ou peut-être truc, est-ce que ça joue pas. Il faudra que tu regardes aussi combien t'as à la fin de ce relais. Ah, il crash. Dommage. Allez, go, go, go. N'oubliez pas de pit au 26. Yep, on est au 24. Ouais, on me dit 72-75 aussi. Ah, j'avais 87 en partant. Ah, ok. Non, en fait, c'est... Ok, c'est... Info croisée. Ok. Du coup, bah, du coup, ça me sert quand même pas mal. Du coup, je vais pouvoir faire ma construction au pit. De toute façon, gradez pas les songes, sauf pour le dernier. Hein, mais... Je pense, premier circuit, on va peut-être pas se faire one lap. Je sais pas, à voir. Il y a des chances, ouais. Faut juste qu'on continue comme ça et... Là, moi, je ne fais une... Une sale erreur quand même, donc. Au revoir. Ça va, t'es pas encore trop loin, Wingo, j'ai l'impression que t'es. T'es à 2 secondes là de moi, donc je pense que tu peux vite rattraper. Hein. Ouais. Non, la pace est là, hein, mais... Les pneus sont plus trop là, là. Ah. Je joue que j'ai commencé à faire mon tour à 30%, ouais. Non, ouais, je dis ça, mais ça va, j'ai... 33, là. Ok. Il y avait quelqu'un avec... qui était en même temps que moi qui vient de pit maintenant au 25. Ouais, étonnant. Peut-être qu'il a fait ses tours de 6 tours un petit peu plus tôt. Et là, il fait un 7. Ça peut être ça, sa stratégie. Ah, il faut pit, hein, Wingo, du coup. Yes, tout à fait. Je vais perdre le grip avant de colliger et de faire un backflip, mais je suis en vie. Wow. Alors, qui fait le spectacle dans le colisée, Pizette, hein. Ah ouais, mais dans l'arène, ils sont contents, ils... Ah ouais, là, ils doivent être contents, mais... Et ils sont pas venus pour rien. Allez, go go. Oh, bah, lui, le 12ème aussi, qui est avec nous. Ah, ouais. Du coup. Moi, je mets 85 encore. J'ai pas regardé au niveau de l'essence. Aïe. Oh. Et merde, j'ai mis 91. 95, bon. Tu feras pour le dernier et puis plus tard. On fout d'en mettre trop maintenant. Oui.
Mais de toute façon, pour le dernier, c'est 75 et voilà. J'ai oublié de drift. Oh, j'ai full crash. Oh non, wow. Oh, la perte de 3 secondes. Ouais, j'ai l'impression que les sorties de pit, c'est presque le moment où il faut être le plus focus de toute la map, quoi. Mm. Perdu 4 secondes en tout. Ça va. Ça va, mais c'est vrai que ça fait mal quand tu t'as pas crash depuis le début, quoi. Ouais, c'est ça. J'ai eu mon crash dans le pit, plus là tout à l'heure quand j'ai dit que j'ai big crash et une touchette. Et ça fait chier, mais tranquille. Ouais. Bah allez, bah là va falloir qu'on se pousse. On a dit quoi, 32 32, ouais. Ouais. Dernier pit. Il y en a, ils pitent maintenant. Ouais. C'est étonnant quand même parce que 28e tour, ils peuvent pas faire 10 tours, donc ils vont être obligés de repiter une petite fois. Ah bah tu sais, quand t'as pas de strat et que ouais, tu vas au feeling, ça peut donner ce genre de truc. Alors vraiment les trois mousquetaires ensemble quoi. Putain. J'avoue que le grid est intense là pour ma part. Ouais. Une 12.3. Ah, propre ça.
Patros du coup avec une 11.419. Allez, c'est parti pour notre dernier lap. Yep. Avant Pit. J'ai 32% de pneus, je suis content. Je re-PB. Ah ouais. Ah là, je suis sur full grid, là, je... Je revois. Merveille, quoi. On voit tout, là. Je veux récupérer mes 4 secondes que j'ai perdu. Allez, go Pit. Yep. Oh là, le Pit dégueulasse. Je pense pas. Une sale no drift que j'ai pris. Et donc là, c'est maintenant. On se focus. Et là, 25, je mets 95, je mets 72 du coup. Je mets 75, 72. Et j'ai 74.9. Parti. Allez, 76, allez. Allez, go go Wingo, go. Ouais, let's go. Go viser le top 10 là, je pense qu'on peut. Il y a moyen en vrai. Ce n'est plus, je sais pas, mais au moins le top 10. Oh, je tape le mur de droite dans le tunnel, putain. Ouais, c'est ce qui me faisait peur, et en plus de turtle dessus. Ouais, ouais, heureusement non, mais... Chier.
Ouais, je peux Omega PB. Ouais, go go go. Ouais, putain, tu m'as bien rattrapé. Go. Et ça fait 12.0. Ah oui, nice. Theta, full focus. C'est pas de faire trop d'erreurs, je suis 21ème actuellement. Je pense pas qu'il reste grand monde qui doit pit, je pense que personne doit pit là. Et je fais 1 seconde 5 derrière deux mecs. Ok, donc petite bataille. Il y a un autre type de seconde derrière moi, donc petite bataille à 4 qui se profile. Ok, ok, bah go go. Non. Le top 10 va être dur. Hein. Ouais. J'ai même du mal à le comprendre. Étonnant qu'il y ait quand même beaucoup de gens. Ouais. Ça, je trouve qu'on n'a pas quand même trop fait des gros crashs. Il y a des crashs, mais bon, de là. Moi, j'aurais tendance à dire que j'ai perdu 10 secondes de crash, mais ce qui est tellement dérisoire par rapport à d'autres semaines. Et du coup, quand on... première course, on se fait pas one lap. Hein. Ouais, bah vraiment, ça nice. Fait plaisir. Ouais. Moi j'avais eu Koplos, je crois, où je m'étais pas fait one lap d'ailleurs, parce que j'avais fait une giga perf. Ah, mais t'avais fait une bonne perf. Ouais. Ah, mais il y a l'autre, il y a la NASCAR où j'avais fait top 3 aussi, là. Le quatrième, je sais plus. La noir et blanc, là, tu sais. Ouais, ouais. La map nuit où on voyait rien. Ouais. Qui faisait beau dehors. J'ai dû fermer le volet pour voir ce qui se passait sur mon écran, ouais, je me souviens. Ouais, ouais, pareil. 13-14 du coup, Wingo. 13-14, World. Ouais, je crois. Hein. Oh, j'ai tout donné sur la fin, mec. J'ai tout donné. J'ai enchaîné une 12-0, une 12-1, une 12-2 en régul, quoi. Mais la map était pas si compliquée que ça, en fin de compte. Beaucoup de parties full speed, je trouve, et peu de drift. Mais c'est des drifts très longs, quoi. Ouais, en fait, c'est ça qui est frustrant, presque. C'est que... C'est qu'on fait une trop belle course... mais c'est pas assez pour faire de bons résultats, quoi. Genre, c'est trop dur. Voyons les stops là. 5 5 5 5 5 5 5 5 5. Il y a que Marius Shorty et Claude Joe devant nous qui ont fait 4 stops. Ouais, tout le reste ils sont comme nous, quoi. Je suis fini 17ème, j'ai gagné. Et perdu là. Let's go Delta, bien joué ça. Nice Delta.